Bonjour tout le monde. On vient de faire une vidéo sur les pires pochettes de l'histoire de la musique. De la humanité. On en a vu des belles. Alors pourquoi pas continuer notre exploration, notre voyage vers le malaise Vert. Avec après site vert. les pires album covers. On va voir les pires covers. Hein? Il y a quand même une suite dans mes idées. OK. Ouais, c'est bon. C'est-à-dire les C'est bon. pires reprises. C'est bon, idée. Tu décèdes à l'horreur des bons films, des navets, des films cultes, des top 10, des complots, des légendes, des rumeurs, des désirs. T'aimes ça, t'en veux plus, toujours plus. Ben de gros, check ben ça. Check ça, check ça, check ça, check ben ça. Avec psychopathe. Et Grippe-so. Tu te souviens de un des classiques des années 80? Video Killed the Radio Star. Tout le monde aime cette chanson. Video Killed the Radio Star. Video Killed the Radio Star. Si on traduit en français. Oui. Ça donne, mais dites-moi qui est ce grand corbeau noir, hein? Quoi? C'est ça, c'est la traduction de Non. Video Kill the Radio Star. Non, c'est quoi ça? Il y a quelque chose qui s'est perdu, Lost in Translation. Oh my goodness. Et c'est interprété par un certain Ringo. Pas Ringo Starr. Ringo, juste Ringo. OK. Peut-être que c'est pour Ringard, Ringo le Ringard, je ne sais pas. Ah. Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, je trouve ça irrésistible, OK. mais pas pour les bonnes raisons. J'arrive de loin et ma fusée fuit de partout. Je cherche mon chemin pour aller à ton rendez-vous. Mais mon radar et mon moteur ont tourné fou. Changer la chaîne. Horrible. Horrible. Et ça devient encore plus intéressant. C'est que derrière lui, c'est comme un sketch slapstick. Je sais pas ce qui se passe en fait. Il y a des comédiens qui font du burlesque. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et regardez-moi le air guitar ici. C'est irrésistible. Oui, le prochain, ça m'a fait mal. Okay. C'est une chanson que j'aime beaucoup, l'original, je parle. American Pie, j'en ai parlé. Bye, Miss American On Pie. en a parlé brièvement dans les chansons Happy ou Creepy. Oui. C'est une chanson riche en plein de références pour tous ceux qui aiment la musique. C'est vraiment une bonne chanson. Oui. Mais ce que Madonna en a fait, Oh non, 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 s'il te plaît, pas ça Madonna. fait mal. Ça m'a fait mal. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est affreux. Déjà, la musique, on dirait la musique d'un jeu vidéo poche. Et le vidéo. Oh, la vidéo bizarre. Qu'est-ce qu'elle essaie de danser, mais je pense qu'elle n'y arrive pas parce que c'est pas une Non. chanson dansante. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge comme Elle fait n'importe quoi. Je pense que quelqu'un lui a dit. Fais juste bouger, puis Ouais. si c'est trop moche, on va mettre ça au ralenti, puis Ouais. je sais pas, je comprends pas. Je pense que ça donne rien d'essayer de mettre du Madonna. On va être bloqué tout de suite. On a essayé de reproduire de notre mieux la vidéo et la chanson. Je pense que ça s'approche assez bien de la vraie chose. Regardez ça. So bye bye, Miss Canadian Pie. Drove my Chevy to Tout deliver, but the levee was dry. le
And then good old boys and drinking whiskey This will be the day that I die. This will be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Merci voilà. Beaucoup, Madonna. Merci beaucoup d'avoir détruit hein, une de mes chansons préférées. Ouais, franchement. Exactement. T'es connasse. Bon, on enchaîne. On enchaîne. Ah. Je vais vous dire tout de suite, je respecte Guns N' Roses. Ils ont fait des bonnes choses. Je pense à Sweet Child O' Mine. J'aime beaucoup la guitare. Ouais. Comme tout le monde, j'aime Paradise City. Hein, puis même Welcome to the Jungle. J'aime bien. Oui. Mais la voix d'Axl Rose ne marche pas du tout avec Knocking on Heaven's Door. Oh non! Que j'adore. Non. C'est une de mes chansons préférées. Je trouve la voix de Bob Dylan exceptionnelle sur cette chanson. C'est une chanson touchante et bouleversante. Et je la trouve parfaite. Mais ce que Guns N' Roses en a fait, je sais que je suis peut-être le seul à détester cette version, qui est très aimée pour la plupart des fans. On entend Axl Rose. Knock, knock, knocking on heaven's door. Comment il prononce? Comme un cheval malade, je sais pas. Non, c'est plus comme un dog, non? Knock. Et c'est encore pire quand il crie, évidemment. Encore une fois, je pense qu'on n'essayera pas de mettre du Guns N' Roses parce que on va être bloqué, c'est sûr et certain. Alors, Sou et moi, on a reproduit la torture. Et je pense qu'on s'en est approché. Écoutez ça. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yay, 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 yay. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Franchement, j'aimerais mieux entendre quelqu'un se faire les ongles sur un tableau. Oui. Ça me fait mal parce que c'est une chanson que j'adore, que j'aime beaucoup, que je mettrais dans mon top 5 de mes chansons préférées. Oui, c'est vrai. Complètement. C'est une insulte totale. Désolé pour les fans de Guns N' Roses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Écrivez-moi. Bon, moi, je n'aime pas. J'aime vraiment pas. Alors, c'est mon choix personnel, hein. Alors, petite mise en contexte, brièvement. Sting a été choisi lors d'une cérémonie prestigieuse en Suède, le Polar Music Prize. On a décidé de le récompenser en lui donnant ce prix qui apparemment est aussi prestigieux que c'est comme recevoir le prix Nobel pour un chanteur. Mais on a choisi de lui rendre hommage en interprétant sur scène Every Breath You Take par un certain José Feliciano. Italienne. C'est un chanteur et guitariste portoricain. Ah! Qui était très respecté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a foiré complètement. Et ce qui est dérangeant, ça fait mal de le voir, et en même temps, c'est très drôle. On voit en gros plan, pendant toute la performance, on voit Sting.
essayer de réagir poliment. Mais en fait, non, il fait même pas l'effort, je pense. Il est très... Mais il souffre dedans. Oui, on voit sa souffrance. Il est très mal à l'aise. Ouais. Très mal à l'aise. Il veut juste dire ta gueule, mais il peut pas en mettre. Ouais, c'est ça. En gros, t'as bien résumé, je pense. On souffre avec lui. Et ça va pas en s'améliorant. Parce que le bonhomme est supposé être un des meilleurs guitaristes, hein? Et même son solo guitare. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il dit... Oh putain, c'est vraiment pas bon. C'est qu'est-ce qu'il pense? Putain, c'est vraiment pas bon. Écoute, désolé. C'est atroce. C'est atroce, mais en même temps, je trouve ça hilarant. Mais je me sens coupable de rire. Mais, ouais, mais pauvre lui, vraiment. Il dit comme... Oui. La bonne nouvelle pour Feliciano, c'est qu'il est aveugle, donc il n'a pas vu la réaction. Il n'a jamais vu la réaction de Sting. Non, mais encore une fois, hein, peut-être il chante bien autre chanson. Oui, comme là, c'est ça. C'est ce que je dis. Ouais. C'est un artiste très respecté et surtout guitariste. Mais il a même réussi à rater son solo de guitare. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme choisir Céline Dion pour chanter AC/DC, tu comprends? Hey! T'as un don de devin. Quoi? C'est mon prochain choix! Non! Ben oui. Non! Oui. T'es sérieux? T'es pas... Hey, Céline Dion! La grande Céline Dion. Tu parles Dion. Que t'es un diva. La grande Céline. Ah bon, ok, c'était dans un show spécial qui s'appelait le Diva Show. Diva. Mm-hmm, c'est ça. Le show des divas, je veux dire. Elle est vraiment pas diva, elle est toute sauf diva. Je pense que l'idée, c'était de montrer que les dames, les grandes dames de la chanson sont capables de rocker. Je sais pas, j'imagine. Déjà, dès le départ, l'entrée de Céline, elle fait de l'air guitare de la pire façon. Je veux dire, j'ai des matantes dans des parties de famille qui bougeaient mieux que ça, là. Hein? On s'entend, là? Bon, déjà son entrée, et regardez... Elle va imiter de façon pitoyable le guitariste du groupe. Non. Bon. Pourquoi elle bouge comme un robot? Elle est pas capable ou quoi? Si t'es pas capable de danser, ben si... Désolée. Non, mais j'aime pas quand elle bouge. C'est quoi ça? Regarde ça! Alors voilà. Qu'est-ce que tu dois faire? Shook me all night long. Ça c'est sexy, bitches. All right, le supplice achève. Alors découragez-vous pas, on est rendu à mon top 3 déjà. Alors, une autre qui m'a fait mal. je me défoule dans cette vidéo. J'évacue ma souffrance. Ouais, et cette souffrance-ci, je la dois à Bono. Bono, de U2. Non! Ouais, il est pas parfait. Surtout à une certaine époque, je pense que la tête lui a enflé et il pensait pouvoir faire n'importe quoi. Je pense qu'il pensait pouvoir chanter sa liste d'épicerie et ce serait un hit. Et je pense qu'il avait raison. C'est ça le pire. Mais... Non! Là, il a osé. Non! Il a osé massacrer. Alléluia! De Leonard Cohen. Non, Alléluia, moi aussi j'aime beaucoup. Le plus grand artiste montréalais de l'histoire, le plus grand poète et l'une des plus belles chansons jamais enregistrées, à mon humble avis. Et je pense que plusieurs vont être d'accord avec moi. Mm-hmm. Alors lui, il a décidé de la scraper complètement, enlever toute la mélodie, plus de mélodie du tout. On l'entend à peine parler. Sans comprendre ce qu'il dit, sur un espèce de tempo électronique bizarre. Alors, il parle.
il marmonne. Les seuls moments où il chante, c'est le refrain. Mais même... C'est atroce. Non, c'est vraiment horrible. C'est atroce. Mais malgré tout, bon, c'est une erreur impardonnable, mais malgré tout, je respecte le bonhomme pour ce qu'il a dit après, beaucoup plus tard, dans une entrevue. Ouais. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a déclaré en entrevue qu'il sent qu'il doit faire des excuses publiques pour cet affront. Mm-hmm. Il a dit quelque chose que pour moi, qui l'a relevé dans mon estime. Mm-hmm. Il a dit, le refrain de la chanson originale de Alléluia, ça dit quelque chose comme « There's the holy and the broken Alléluia, and mine was definitely the broken one. » Oh. Alors, si je peux traduire, oui. Il y a le Alléluia béni et il y a le brisé. Et le mien était définitivement le brisé. Voilà, je l'adore pour avoir dit ça. Oui. Ça pardonne pas sa reprise, mais oui. Quand même, il fait preuve mais d'humilité. Oui. Et chapeau, Bono, mm-hmm. malgré tout. Encore, je n'ai pas chapeau, alors. Voilà, numéro 2. Bon, encore une fois... c'est un groupe normal, ok, pas si mauvais que ça. Puddle of Mud, c'était un groupe qui était populaire. Ben après, ça faisait partie du grunge après Nirvana. C'était pas super, mais ça allait quand même. Et je dois dire que le chanteur est capable de faire cette reprise qu'il a choisie, une reprise de Nirvana, mm-hmm. About a Girl, en copiant le style du fameux MTV Unplugged. Il est capable de la faire parce que quelqu'un après a posté une vidéo qu'il a filmée genre 15 ans avant, mm-hmm. et on le voit performer la même chanson sur scène et tout okay. va bien. Et on l'a même applaudi et on s'est levé pour sa performance. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qui s'est passé là pour cet enregistrement. Ben, il était encore une fois mal dirigé. C'était pour Sirius XM, une radio web. Mais ça a dérapé. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Le problème, c'est qu'il force sa voix à un point où il souffre. Et remarquez les autres musiciens, on dirait qu'ils se retiennent pour pas éclater de rire ou pleurer. Ouais. Non. Le groupe non, a eu de non, très, non. très, très mauvais commentaires et se sont fait crucifier sur les réseaux sociaux. Okay. En tout cas, c'est gênant tout ça. Mais ça fait partie des pires reprises que j'ai jamais entendues. Mais on est rendu à l'épreuve finale. Et là, je dois cette découverte à MC Gilles. Parce qu'il a sorti une compilation de sa collection de classiques du terroir québécois profond. Sans lui, j'aurais jamais pu entendre cette version de La Compagnie Créole, faite par une certaine Catouin. Catouin. Je vous préviens, vos oreilles vont souffrir. Ils vont saigner. Mais vous allez probablement rire aussi. Ah, voilà. Ça fait oui les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait oui les oiseaux et danser les écureuils. Ça ajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait oui les oiseaux. Non! Oui les oiseaux. Ça fait oui les oiseaux. Oui, les oiseaux! Une chanson d'amour, c'est comme looping en avion. C'est comme si tu tires le chat par le cœur et elle n'aime pas vraiment ça. Non!
Alors voilà, c'était mes choix personnels pour les pires reprises de l'histoire de la musique. J'espère que ça vous a plu, malgré tout. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, pouce bleu, ça fait tout un plaisir, comme on dit tout le temps. Alors, moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao.